En 15 ans, le prix Nobel de la littérature fut décerné à 3 reprises à des écrivains français. Gao Xinqian, écrivain et dramaturge chinois, vivant à Paris et naturalisé français, avait été distingué en 2000 par la prestigieuse Académie suédoise. Gao Xinqian s'est imposé en Chine comme l'un des pionniers du théâtre et de la littérature d'avant-garde, en brisant en 1983, avec sa pièce « Arrêt de bus », plus de 50 ans de convention théâtrale. Il devient l'une des cibles d'un régime soucieux de limiter l'influence occidentale. Après les événements de Tiananmen, Gao Xinqian décide de s'exiler et choisit la France.